Hop. Il y a des géants. Là, c'est juste des blocs. Là, on a les chauves-souris. On a du lag. Il y a là, hein. Ah oui, toi tu lis les mains, les doigts, pardon. Ouais, non, la porte, on n'y est jamais allé ou quoi? Frappe déchaînée. On n'y est jamais allé. Je suis sûr que c'est là où tout le monde combattait le boss. C'est quoi ça? Merde, merde, merde. Quand tu veux, tu te lèves. Hein. Très bien. Je suis sûr qu'on devait aller là. On n'y est jamais allé. C'est fun. À moins que ça s'était bloqué, mais je pense pas. Après, on a récupéré une attaque. C'est déchaînement. Frappe déchaînée. Continuez d'attaquer. J'ai une attaque normale. Oui, en tout cas, ça marche. C'est où, c'est quoi ça? Là, on va récupérer l'élixir. Ah ben voilà, ben c'est ça. Je crois que c'est ici où le boss dont je parlais là, le truc que tout le monde a fait, que j'ai jamais fait. C'est le truc du début. Emboldened by the flame of ambition. Alors mec, j'ai fait tellement de donjons, t'as même pas idée de ma puissance. T'as même pas idée de ma puissance, mec. Attends, je voudrais tester ça. Ouh.
Si tu fais rien comme dégâts. Ouh, t'as une queue de scorpion ? Ah, je l'ai loupé. Adieu. Eh oui, t'avais pas idée de ma puissance, mec. T'avais pas idée de ma puissance, mec. Je me suis déjà tapé 20 heures de donjon avec des trucs qui te one-shot. Tu pouvais rien faire contre moi. Y'avait aucun moyen que tu gagnes. Aucun moyen que tu gagnes. Ouh! Alors... altéré. Donc là, on a la version normale et après, on a la version altérée. Tu veux pas me la montrer, la version altérée, ce que c'est? Au lieu de faire ça. À chaque fois, il faut payer. On va voir. Ah, c'est la cape. Ah. À chaque fois, ça enlève les capes, je crois. Ouais, enfin, j'aime bien les capes, en fait. Ah, quoique, ça fait 100 capes, c'est pas mal. Parce que tout le monde va laisser la cape, du coup, nous, on sera spécial. Parce que je vais pas repayer 500, en fait. Honnêtement. Donc, du coup, attends, il m'a donné un sac... Mais mec, t'avais... ça me fait marrer parce qu'il avait vraiment pas idée en fait de la puissance qu'on avait. Il a vraiment pas idée, le mec. On est magnifique. Tu m'as donné un sac à runes. Non, c'était quoi, un sac quoi? Ah, peut-être un accessoire. Ah putain, ça m'énerve quand je fais pas attention comme ça. Ah, par contre, on pourrait faire ça. Merde, je sais pas du tout ce qui m'a... Faudrait que j'arrête la vidéo que j'aille regarder. Mélange de salut miraculeux, non. Cendre de guerre. Unifier les vêtements, non. Ce serait bien qu'on puisse utiliser ça. C'est combien? 15 de fois, ok. Putain, mais j'ai l'air con, moi. C'est pas dans les objets clés. Ah, sacoche à talisman. Permet d'équiper davantage de talismans. Oh, non, t'es sérieux? On peut en avoir deux maintenant. Oh la vache, c'est chaud. Je veux dire que moi je me faisais chier avec qu'un seul depuis le début. C'est franchement c'est fun. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais t'as loupé plein de trucs et tout. Bah en fait non, j'ai pas loupé. C'est pas un loupage en fait. C'est juste comme ça. C'est un monde ouvert, on fait ce qu'on veut. Euh...
dirais augmenter la force, mais bon, je suis pas très fan. Ça. Château de Voilorage. Ah, et du coup, tout le monde en fait passe son temps là-dedans. Ah. Donc en gros, ça c'est le premier gros donjon à faire. Ah, ça va. On va rouler sur le contenu, nous. Putain de merde, c'est ouf. C'est complètement ouf. C'est dément. C'est juste dément. Ok. À gauche, il y a un passage. À droite, il y a aussi un passage. C'est magnifique. Il y a un passage là. Attends. Bah au moins, ouais, on va passer un très beau bon moment en fait ici. On va vraiment découvrir sans trop se faire chier. C'est quoi ce trou? Ah mais c'est quoi c'est... Ah mais c'est des projectiles en fait. J'ai l'impression... Enfin ils ont l'air d'être allés vraiment profond les projectiles quand même. C'est bizarre parce que c'est cassé, genre au début ça fait brique, ce qui est normal, mais après ça fait comme si c'était du béton plein ou des pierres pleines. Très étrange l'architecture. En théorie, c'est un château, c'est juste des. C'est des blocs de. C'est des briques quoi, empilées, non? Genre ils coulaient pas du béton dedans. On est d'accord? Ok. Ah, j'ai peur de rien, moi. You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Mm-hmm. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. D'accord. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. Je te fais pas confiance, toi. Use that opening to guard your slip. Of course, I understand. C'est bizarre parce que t'as des beaux vêtements pour un. I'll signal them to open. It's only your neck on the line after all. Oh. T'as des beaux vêtements en fait pour être une sorte de prisonnier parce que avec le truc sur le cou là. Vas-y ouvre. The gates. Open the gates. Yeah yeah yeah. Vas-y, refermez derrière moi les mecs. C'était con d'avoir mis un petit mur là. Attends, putain, j'essaye de.
Ah là je peux l'invoquer. Allez, c'est l'heure de la tuerie. Ça va? Bien joué. Ah, vous commencez bien les mecs, hein. Vous commencez bien. Là c'est pas moi qui suis piégé avec vous. C'est vous qui êtes piégé avec moi. Hein. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Qu'est-ce que tu me fais? Tu me touches? Voilà, casse-toi. T'imagines même pas. Vous imaginez même pas tout ce que j'ai subi. Genre j'avais un mec qui se téléportait et qui m'enfonçait son épée dans les omoplates tout le temps. J'ai combattu des géants. Tout va bien. J'ai combattu des géants plusieurs fois. Un nombre incalculable. Il y a un truc là. J'ai combattu un nombre incalculable de géants. J'ai combattu des monstres, des chiens de l'enfer. Qu'est-ce qu'on a combattu encore? On est littéralement allé en enfer. On est littéralement allé en enfer. Et on en est revenu. Donc, ouais. Honnêtement, ouais. Je suis allé sous terre. Il y avait une ville entière, mec. J'ai passé 3 heures à me faire chier dans cette ville. Vous pensez vraiment que vous allez m'arrêter? Avec 3 flèches? Qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, viens. Hein, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu crois vraiment que t'allais faire quelque chose? Tu crois vraiment que t'allais faire quelque chose? Sans déconner? Vous êtes même pas au courant de la puissance. Faut que je remonte par contre, il y en a encore. T'inquiète pas, je t'ai vu toi en haut. T'inquiète pas, j'arrive. Je vais te faire connaître ce que c'est la souffrance. Comment on monte là par contre? Bon, peut-être qu'on peut pas. Ouais, peut-être qu'on peut pas. Non, ça c'est un objet du truc que j'ai tué. On a combattu des démons. On a combattu des chevaliers de l'enfer. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait tellement de choses. On a combattu... beaucoup de choses. Chemise ordinaire du sujet. Ah, attends, on va voir. On va peut-être avoir un peu d'explication là sur ça. Les planches de bois portées autour du cou représentent un arbre en pleine expansion dont les racines et les branches forment deux cavités. Il s'agit là d'une entrave que l'on s'impose de son plein gré afin de proclamer son allégeance à l'arbre monde. Augmente la foi. Augmente la foi. Ah oui, on a plus ça. Ah, j'imagine que c'est ça pour ouvrir la porte. Alors du coup, je veux voir là-bas. Ça va, mec? On les a tous tués.
On les a tous massacrés, tes soldats. Ah, c'est marrant ici. Après ça, je pense que ça fait un peu tutoriel pour dire qu'il y a plusieurs passages en fait. Genre, vu que c'est un monde un peu ouvert, genre, prenez... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah. Ok. Genre, prenez le chemin que vous souhaitez en fait. C'est un hibou avec des couteaux. Avec des épées à la aux pattes. Alors... Ah, attends, là. Ah, mais tout le monde a dû passer un meilleur moment que moi quand même. J'imagine. Surtout au début. Ah mais bon, hein, on a choisi hardcore. On a choisi hardcore. Vas-y, viens, viens la bestiole. Vas-y, viens, viens, viens. Qu'est-ce que tu me fais? Casse-toi. Si on mettait un régène avec ça. On a deux talismans. J'imagine qu'on pourra en mettre 4. Peut-être 5, parce qu'il y a la place pour 5. Mais bon, on attendrait quand même que ce soit 5. Ça fait beaucoup 5. Après, le jeu, il se veut très très RPG. Enfin... Enfin, tous les Dark Souls sont RPG, c'est con de dire ça, mais... Peut-être que celui-là, il se veut un peu plus, genre, libre dans la... dans le monde et tout ça, et puis peut-être qu'il se voit un peu plus dur, donc du coup, je sais pas. En tout cas, je serais pas étonné qu'il y ait 5... en tout. Je serais pas étonné, c'est ce que je veux dire. On peut pas prendre le cheval. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On repasse par le... l'entrée principale ou on continue à faire le tour en fait? Là maintenant on continue. Sinon j'imagine que ça se connecte après. Les pieds dans le cuir entaché. Vous auriez dû venir avec plus de monde. Mais genre nettement plus. Qu'est-ce qu'on a récupéré? J'ai même pas fait attention. Sûrement quelque chose derrière. Ouh, il y a des explosifs. Griffes.
C'est cool. J'espère que vous avez mieux quand même. Non. OK. Oula. Merde. Ah ouais, mais qui est con aussi, c'est un cachot. Ok, toi tu fais mal par contre. Tu vas prendre cher toi quand je sortirai. Clé rouillée. Tu vas prendre vraiment cher. Talisman d'épée courbée. Ah, pas mal ça. Améliore les contre-attaques. Raconte les big aveugles que cette technique consiste à laisser son adversaire attaquer afin de le rendre vulnérable contre bien placé. Pas mal. Il faisait mal par contre lui, j'avoue que. J'avoue qu'il tapait fort. Alors, c'est qui le con qui a fait ça? Ah, peut-être lui. Ah non, c'est un truc que j'ai tué. J'imagine que ça c'est vraiment le coup qui va tuer énormément de joueurs, j'imagine. Le fait d'être enfermé avec ce truc là. Clé rouillée, yes. Ah ok, par là. J'ai vu une ouverture dans le mur tout à l'heure. Elle était où? J'y suis pas allé. C'était ici ou... Ah là. Des flèches de Trina, c'est quoi ça? Ça je connais pas. C'est où les flèches? Ah, c'est celles qui font dormir. Ça marche. Par là-bas. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas fou? T'es pas cinglé, toi? Ouais, il y a de la plateforme et tout ça. Ouais, c'est vraiment pour apprendre. C'est sympa, hein?
la zone. On voit que la zone elle est un peu tutoriel parce qu'elle est pas trop difficile, mais il y a quand même des pièges. C'est pas d'où le mec me balançait des bombes, ça. Aïe 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 aïe, attends. Ah, il y a une échelle et tout là. Marteau en pierre. Par contre, jouer comme ça. Ok. Ah putain, on est retombé là. On est encore dans la salle d'avant. Attends, on est allé où nous? Après on est allé à droite, c'est où c'est que ça sortait? Là il y a quoi? Là il y a rien. Donc on... Merde! Ouh, j'ai failli tomber. Donc on continue de ce côté là. Là c'est d'où on vient, donc on va là. Il n'y a rien d'autre. Non. Très bien. Et là, on est sorti. Putain, c'est... Je suis pas fan hein, de l'extérieur, mais bon, il y a des objets partout, quoi. Mais putain, faut aller... Ouais, non, ça c'est autre chose. Champignon. Ouais, je suis vraiment pas fan de l'extérieur, mais bon. C'est pour ça que j'y suis allé, parce que je me disais bien, on va avoir plein de trucs à ramasser et tout ça. Puis ça fait de l'exploration et tout, hein. On est là pour explorer. Quoi ce bruit? Bonjour. Tu vas te calmer. On a cette armure, je crois, non? C'est vrai que comme je dis, hein, ça sert à pas à grand chose, hein, le régène. Hein. Ça sert vraiment pas à grand chose. Hein. Parce que... On va toujours se mettre full vie. Hein. On va pas rester avec de la vie en moins. C'est débile. C'est débile de rester avec de la vie en moins. Ça a zéro sens. Donc, j'ai dû me faire une pause du coup quand je suis arrivé au feu. Donc on repart. Là... Ah oui, là on a un ascenseur qui fonctionne pas.
On était allé à l'extérieur, il y a ici à faire. Attends, peut-être qu'on peut sauter directement. On peut casser ça ou pas? Non. T'es sérieux toi? Très bien. Alors attends, il faudrait qu'on aille en dessous. C'est pas très compliqué à y aller donc. Ah bah on fait comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ah, très bien. Hop là. Parfait. On continue notre visite. Ça me rend fou, hein, honnêtement, les objets. Est-ce qu'on n'a pas des trucs vraiment transcendants? Les contre-attaques, ça peut être bien les contre-attaques. Je sais pas si ça va marcher en plus sur nous. Sur ce qu'on a. Les contre-attaques et les attaques chargées. Ok, donc là il y a une cour. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? C'est un peu grand quand même, hein. Votre château à la noix, là. Un peu grand. Ah, attends. Peut-être qu'on peut directement sauter. Ou c'est trop haut? Ouais, non, c'est trop haut. Est-ce qu'il faut absolument avoir l'ascenseur ici? Parce que... Ah, attends, comme ça. Hop là. Parfait. Ah, ce que je me suis dit, c'est bizarre. Là, il n'y a pas de bois. Là, oui. Donc, hein. Voilà, quoi. T'as à toi? Vas-y, appelle tes potes. Voilà, merci. Comme ça, j'ai pas besoin de les... Plume de faucon des tempêtes. Oh, joli. Waouh. Sympa ton épée là. Tu me la donnes? Hmm. Alors, on va combattre un truc faucon, c'est ça? Un truc volant, j'imagine. Bah merde, on va où? Non, bah ouf. Par contre, je suis pas fan de la musique, c'est triste, c'est pas intéressant. Ah, attends. Putain, je suis tombé direct. Oh la vache, encore que... On a combien? Ah ouais, on a 21 000 quand même. Putain, j'aurais dû prendre un niveau quelconque. No, c'est quoi ça? C'est pas un perroquet, ça. Attends. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. Ok. Ah, ça me fait avoir un peu le vertige. Hein. Ok. Donc on est à gauche ou à droite? On va aller à droite. C'est pas mal. Maintenant, on va sûrement revenir et du coup, on va devoir tous retaper. Ok, il y a un passage en bas. On peut sauter en bas.
directement. Avec avec les machins là, les objets. Ah. Là on a un chemin aussi. Oh mon dieu. Oh là là. Non mais c'est affolant ici. Ça marche même avec les avec les carreaux quoi. C'est vraiment un truc qui touche le bouclier, on peut contrer quoi. Non. Bon par contre, je veux pas dire, mais là on a des chemins droite gauche, haut bas. Oh la vache, c'est un peu prise de tête honnêtement. Talisman de la griffe. Ça sert à quoi? Améliore les attaques sautées. Ouf. Je vais être honnête, ça c'est pas mal non plus. Hein. Tu peux aller là. Je vais être honnête, les attaques sautées, c'est vraiment bien aussi. Ah, là on a un truc diablotin. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ailleurs. Ça fait un peu loin. Enfin, ça fait un peu bas surtout. Mais je pense qu'on va faire le bas là. Ouais, je crois que bah, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Là apparemment à droite ça descend. On va d'abord aller... Ah mais non. Oh, on va défoncer ces trucs. Ouais non, augmenter les attaques sautées... Moi je dis pas non hein. Voir un peu. Oh, joli! Mais on chevalier banni. On voit pas vraiment la différence, honnêtement. C'est... Ça c'est embêtant, c'est qu'on voit pas la différence. Moi j'ai bien envie de remettre ça. Hein. J'ai bien envie de remettre ça et l'augmentation de vie à la limite. On passerait à 200, 782. Ouais, j'ai bien envie de faire ça moi. Alors, fais voir les jambières. Chevalier banni. Dernière était tous des guerriers. C'est vraiment la raison pour laquelle les biens qui privaient des terres. Ils
conserver leur titre de chevalier. Solide, complète, recouvrant intégralement le corps de son porteur. Pour une raison ou pour une autre, ces jambières étaient portées par les chevaliers contraints de concéder leurs terres. Ça, c'est une grosse armure, par contre. Là, c'est une très très grosse armure. Ah, passant lourd. Merde. On peut pas l'annuler, ça, là. Attends, il y a un objet, là. Pas l'annuler la potion. Manuel de guerrier nomade. Pff, toutes les flèches qu'on a, quoi. Après, on peut faire ça, si je... Non, j'en sais rien. Je veux penser à un truc. Alors, attends. Là, on peut descendre. Mais j'ai pas vraiment envie de descendre, en fait. Non, enfin... Si je descends, je sais pas si ça va me mener au diablotin. Donc j'ai envie de sauter, moi. On va utiliser... Oh putain, ah c'est pas beau les pieds par contre. Ah ouais, c'est vachement large en fait les pieds. Oh, c'est moche. Très moche. J'ai envie de faire ça, moi. Ah, très bien. Très bien. Lame d'affûtage en fer. Bouclier en bois. Miséricorde. D'être une épée droite, ça. J'imagine. Ah non, c'est une rapière. Non, c'est une dague. C'est une dague. Alors. Là aussi, il y a des objets, mais t'es fou. Mais c'est complètement fou en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une zone dangereuse ça? Ah la pute! Putain. Si on me tuait. Ouais. Sans déconner quoi. Oh, c'était pas ça l'araignée? Ah, oh, regardez, c'est dégueulasse. C'était pas ça du coup l'araignée dont elle parlait? Avec tous les bras greffés. Il y a un objet bleu en dessous. Au-dessus, pardon.
Hache des montagnes. Hache des montagnes, ça ressemble à quoi? Ah, une hache bien sympa. Laisse pour sortir. On va monter. Pas très fan des jambières. Mon dieu. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de zone dangereuse parce que c'est le... C'est le premier donjon en fait. Et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas le fait de récupérer des potions. Quand on tue un groupe d'ennemis. Voile mimétique. C'est un objet, je crois, d'utilisation, ça, non? Alors, consomme des PC pour imiter les objets à proximité. Ah, c'est ça. On peut être déguisé comme un pot. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils sont... Oh, dégueulasse. Attends, il y a quoi en dessous? Là aussi, il y a un passage en fait. Ah. Mais attends, est-ce que je peux remonter de l'autre côté? Je crois. Ouais. Ok. Sûrement pour pouvoir récupérer l'objet qui est en hauteur, non? Là, on est sur un balcon. Là, il y a aussi un endroit, mais il n'y a personne. Enfin, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Putain, il faut regarder tous les endroits, quoi, c'est ouf. Ah. Parfait. C'est quoi ces pas? Non, c'est des lumières en fait. Ok, donc nous on est allé là. Ok. Donc maintenant on va là.
D'accord. Capuche pourpre. Ouais, honnêtement, j'aime pas du tout les jambes, elles sont très 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 moches. Ça me perturbe en fait, le fait qu'elles marchent et que ça soit tout carré là, les pieds, hein, ça me rend fou. Jamais la grâce ne guida Roderica. Roderica. Si notre vêtement était pas rose, ça passerait. Voilà. On a un ascenseur là. Quel bordel ici. Yes, un bon vieux raccourci à la Dark Souls. Ouh, vache. Je crois que là, on va se concentrer à monter la vie. Genre, ouais, ouais. Parce que là, en fait, en dégâts, tout ça, puis en armure, voilà. Tant qu'on n'a pas, genre, une armure mieux, genre, lourde ou un truc comme ça, on n'a pas besoin. Du coup, on va faire que augmenter la vie. Non, c'est pas là. Ah merde, il y a un truc, j'avais pas vu. L'autre, il ose me balancer des cailloux quand même. Bien joué. Non, c'est pas là. On peut l'esquiver. C'est pas mal, hein. Petite infiltration comme ça, hop. Alors, oui, on continue là ou on va là? Je me rappelle plus. On vient de là, non? Oh, putain, il y a tout qui se ressemble, save. Ça y est, il y a tout qui commence à se ressembler pour moi là. Là on a les rats. Les rats, j'y suis pas allé, les rats. Flambeau. C'est une... Non. C'est une lance. Une lance enflammée. Alors, je me suis en train de me dire, est-ce que on n'a pas loupé quelque chose avec les rats?
De toute façon, j'ai pas le choix. À chaque fois, ça me donne le vertige de... Ah, on peut pas taper ici. Bonjour. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Je suis venu défaire Godric. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? Ah, c'est stylé. You can see it then. Son sac. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Ça marche. Là on a quoi? Chaîne de dague, satin, moyen. Arme tournoyante, défensive employée par les princesses Caria. Vous faites flotter votre arme dans les airs avant de la faire tournoyer violemment. Tous les adversaires touchés subissent des attaques successives. Après on a ça. Cendre espadon de Caria. Vous transformez votre arme en un espadon magique et utilisez pour assonner un coup. Chargez cette compétence pour augmenter sa puissance. C'est encore des cendres, ouais. Compétence exploitant la sorcellerie des pierres. Profitez l'enchaînement des pierres d'éclat présentes sur votre arme pour déclencher une attaque puissante et une frappe d'estoc dévastatrice. The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Okay. Je vous aime pas. Ah ok, là on les a tués. Ah mais c'est peut-être pas là en fait, parce que j'ai pas vu d'autres endroits en fait. Donc il faudrait aller là. Non enfin... Je sais pas. Parce que j'ai pas vu d'endroit pour aller autre part en fait. À part tomber dans la cathédrale, ben, je crois pas. C'est vraiment une catastrophe ici quand même. Je sais pas pourquoi on est là, on aurait dû passer par les portes principales. Enfin, après on peut toujours y retourner. Hein. Les portes principales. On peut descendre là. Parce que c'est. Je sais même pas si c'est là. C'est la cour principale qu'on a montée. La toute première fois, je crois. Je suis pas complètement sûr.
Mon dieu, qu'est-ce que c'est grand. C'est bon, on est encore vu. Putain, le jeu. Je voulais faire ça, mais avec l'objet. Ouais, là c'est ok, on est de retour, retombé sur la zone où on était, où on a fait un massacre. Oh la vache, ça devient un peu chiant, tout petit peu chiant. Merde, pardon. Ça devient un tout petit peu chiant là. Je trouve que la zone elle est légèrement trop labyrinthesque en fait. Légèrement. On peut redescendre. Oh. Doigt sanglant suppurant. Ah, ça c'est pour un envahir, c'est ça? Ouais. Oh, l'élan qu'il a, lui. Mon dieu, je vais mourir. Mon dieu, l'enchaînement de ouf, quoi. Je faisais exprès. Faire genre, waouh, c'est compliqué un peu. J'avoue que là, les deux, putain, chaud quand même. J'avoue, légèrement chaud là, les deux. C'est un objet bleu, ça? Non. Mon dieu, où on va encore? Là, j'ai un peu envie d'en finir, en fait, avec la zone, même si on loupe des trucs. Regarde-moi ça, tous les chemins qu'il y a. Oh là là. Ouais, ils ont un peu exagéré, quoi, là. Mais regarde, il y a encore tout ça. Non, ça. Enfin, je sais pas s'il faut le faire, en fait. Ah, mais là, on est venu. On connaît. Je crois. Ah tiens. Ah. Mais, putain, mais cible le truc à côté.
Non. C'est parti. T'es quoi, toi? Putain, de coup de pied, quoi. Tu veux pas m'aider? Merci. Putain de merde. Statue. Eh bien. Il y a encore des objets dehors, je crois. Aïe 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 aïe. Mon dieu, regarde-moi ça, il y a des chauves-souris et tout, quoi. Ouais, non, là c'est moins fun en fait. Mon dieu, l'enchaînement de ouf. Très bien. Et les mecs, vous regardez quoi? Mais... pas cette blague, quoi. C'est vrai que là, on aurait plus de... moins de difficultés avec une arme rapide. Hache lunaire, ça c'est une... normalement c'est une hache de foie, je crois, non? Force d'ex... non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On a une pique. Ça, c'est une lance. J'avais pas vu qu'il y avait un mec là. Ah, t'aurais pu le faire plus tôt, hein. Très bien. On va prendre l'ascenseur, on va voir où ça mène.
Désolé, je suis un peu bof bof parce que ouais non, honnêtement ça commence à fatiguer. Là ça commence un peu à fatiguer en fait. Et en fait avoir une grosse arme c'est pas très fun pour les combats comme ça. C'est nouveau ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, des pots. Bien joué. Je ferais bien moi deux katanas en fait. Peau fissurée. Peau fissurée. Ouais, je ferais bien deux katanas pour ça. Attends, est-ce qu'il y a un objet là-bas? On va pas dire. Directement tombé. Putain de merde. Mans d'orage. Mon dieu, tout ce qu'on a. Moyenne et grande. Les compétences, ça s'appelle aux tempêtes, faire tournoyer votre arme, créant ainsi une tempête autour de vous. Enchaînez cette compétence pour effectuer jusqu'à deux attaques supplémentaires. Ça y est, on y est. On y est, je crois. On a qu'à faire lui. Ouh, t'as l'air gros. T'es gros, toi. Un peu plus gros que la moyenne, non? Ah, t'as... Bah oui, hein. C'est à nous. Et là on est... Ouais ok, là on est par là, d'accord, ça marche. Ouf. Je me demande si on est... Non, j'ai rendu. Ah. Be proud.
Oh. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice. Let the winds lift you to a higher place. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Ah, cool. Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Apologies. Ok, on va pouvoir l'appeler, je pense, en aide. Mais ça, faut le faire parce que si vous n'êtes pas familiarisé, enfin familier avec les Dark Souls, tout ça, comme j'avais dit à chaque fois, si vous voyez des signes de NPC, hein, pas de joueur, de NPC, prenez-les. Mais par exemple, là, on lui a parlé, donc il va falloir faire ça. Pour en fait mettre à jour son histoire. Et voilà, la marque elle est là. Nefeli Lu, la guerrière. Elle a deux haches. Ah, moi aussi je voudrais bien faire... ouais, après moi j'aime bien genre avoir une grande arme, puis après il faudrait deux petites. Mais bon, c'est du poids, hein, c'est beaucoup de poids à chaque fois. Donc du coup on pourrait pas vraiment être en double... En grosse armure, pardon. Il faudrait un set qu'on trouve qui est un peu moyen, mais qui est bien, qu'on puisse le porter tout, en fait. Et après, on change un peu par rapport à la situation. Parce que là, c'est vrai que la grosse arme, bon, ça one-shot, mais bon, c'est pas tout le temps facile. Hein. Du coup, on va pas pouvoir invoquer. Allez, c'est parti. Invocation de l'allié. Ils sont jolis les... C'est quoi? C'est des aigles? Les haches? Ah, on peut peut-être invoquer notre... Je sais plus si on peut faire... un spectre avec... notre esprit. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. A lowly tarnished. Ah, okay. Je viens. Plain as a lord. Non. I am the lord of all that is golden. Ouais, non, ça ira. Allez, on y va. T'imagines même pas, gros, la puissance qu'on a. Ah, on va en profiter, ça. Wow. Ah, tu fais des trucs de fou, regarde, moi aussi. Bah, ok, ok. Ouais, peut-être que t'es un peu plus fou que moi, en fait. Mais je suis bloqué, en fait. Ouais. Ah ouais, tu fais tomber les arbres et tout. Bon, t'es peut-être un peu plus fou, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde! T'as jalé lui. Ah, il s'est coupé! C'est ce que je pensais! Qu'est-ce qu'il fait? Il est débile?
host of dragons. Lend me thy strength. C'est très Bloodborne. Oh la vache. C'est très Resident Evil maintenant. Waouh, c'est pas abusé du tout ça, c'est bien. Oh, tu gères. On va pas qu'elle meure en fait. Mais putain, il est invincible ou quoi? Y'a bois. Putain de merde. Allez. Rune majeure de Godric. Souvenir du greffé. Rune majeure. Les runes majeures obtenues en éliminant des porteurs de fragments ont perdu leur pouvoir original. Toutefois, vous pouvez le restaurer au sein des tours divines disséminées dans l'entre-terre. Consultez la description de chaque rune majeure pour savoir où vous rendre. Cool. Oh putain. Je pense qu'on aurait galéré. Hein. Je pense qu'on aurait galéré quand même à notre... Enfin, au niveau d'avant. Enfin, je veux dire, pas maintenant, parce que là, on est un peu OP, mais... C'est un ennemi, ça ? What a pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you ? Look down on me, would ya? Ah, il l'aime vraiment pas. Filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though... What goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Mm-hmm. Now, I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Ouais, tu vas rester loin de moi. Honnêtement, tu vas rester loin de moi. On peut couper la queue ? Non, pas l'impression. Avant tout ça, on va d'abord revenir en arrière, voir s'il y a madame. Merde. Putain, j'ai déjà oublié où elle était, bordel. Elle était dans un cul-de-sac. C'est au fond, je crois. Après le monstre.
Très bien. On a 32 000. Elle était là-bas. Voir si elle y est. Non, il n'y a même plus le corps. Ouais, non. On la retrouvera peut-être plus tard. Hein. Il y a un objet. Peut-être à la table ronde. Là, vous imaginez qu'on a fait tout plein d'aventures, genre pendant une vingtaine d'heures. Et on n'a pas fait ça, quoi. Qui est encore le début du jeu où ils nous, ils nous apprennent des choses. Hein. C'est juste fou, en fait. C'est pas possible de faire ça dans un Dark Souls. C'est la preuve que leur monde ouvert, en fait, il est vachement bien fait. Cendre de guerre. On a tellement de différentes attaques. Honnêtement, j'ai tellement envie de faire des tests. On a tout plein de trucs. On a vraiment tout plein de trucs. Les fendoirs, c'est des haches. On peut mettre tellement de choses. Du feu et tout. C'est quoi la pyrotechnique? Ah, ça me dit rien en fait. Genre, et là. Ah ouais, c'est pas loin en fait. Je fais des tests avec les trucs là. C'était celle-là qui pouvait rendre le. Mettre l'arme en feu. Mais pas une qui buffait l'arme. Peut-être qu'il faut faire une autre attaque avec. Ouais, c'est ça. Donc faut faire ça et après R2. Et en fait on tape dans le feu. Ouais, R2. C'est juste débilement stylé en fait. C'est trop bien en fait tout ça. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de tester un peu des attaques, voir un peu ce que ça fait. Là on a quoi? La détermination. L'arme tournoyante. Wow. Ha! Le mandorage. Ouais, non, comme j'ai dit, hein, avoir doubles armes. Et avoir deux habilités différentes, ça peut être intéressant. Genre, on peut mettre du feu. Après, je pense que ça va pas mettre le feu aux deux armes. Genre, si on a deux katanas et on met une de feu, on va buffer un katana en feu, je pense. Mais pas le deuxième, par exemple.
Vous voyez ce que je veux dire? Oh, on a ça, altéré, on peut changer. Ah bah oui, enlever la cape. Ok, en tout cas il nous a donné quoi machin là, Godric, Godvik. Alors on a une graine dorée, mais je crois qu'il nous en faut 3 maintenant. On a sacoche taille sans nom, on a 4 boules. Alors une majeure de Godric dénuée de toute bénédiction. Restituez-lui le pouvoir. Ok. Merde. Après, on a eu quoi d'autre? On a eu 2 choses, je crois. Hein. Je suis plus trop sûr. Je sais plus trop, désolé. Je passe trop fait gaffe. Enfin, j'ai déjà oublié, en fait. Pourquoi je m'arrête là? Non, on peut partir. Oui, les runes pour le moment, on peut pas les. Oui, on peut pas la mettre parce qu'elle est dénuée de pouvoir. Donc faudra voir comment on récupère ça. Pourtant, on a un peu vagabondé hein, à droite à gauche. Mais bon, ça devait sûrement être des trucs qui étaient pas actifs. Il y a le magicien aussi, il faudrait le revoir. On peut s'asseoir ? Non. Mais évidemment que t'as 2 passages. Putain. Évidemment. Puis ils amènent nulle part du tout au même endroit, c'est ça. Aïe 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 aïe. Bon, là ça a l'air d'être un cul-de-sac, ça va. Moi, si je veux faire un guerrier, on va faire peut-être un guerrier, on va partir dans peut-être le côté guerrier. Après, à la base, c'est un samouraï, donc on va avoir une dex élevée. On aurait dû prendre mendiant en fait. On aurait dû prendre mendiant. C'est vrai que mendiant aide pour ça, parce que vous commencez niveau 1, donc vous pouvez monter ce que vous voulez. Et le moment... Enfin, oui et non. Mendiant, vous pouvez être ce que vous voulez. Alors que bon, si vous voulez être guerrier à la base... Fruit de Chabiri. Si vous voulez être guerrier à la base, prenez genre le chevalier ou un truc comme ça, quoi. Donc nous on va rester basé sur ce qu'on veut. Mais après c'est vrai qu'elle a une dex élevée. Donc bon. Dex élevée, c'est embêtant. Globe oculaire jaunâtre et suintant d'un infirme. Fortement gros hein, raison de trou mur. Mettre servante aveugle pour la guider vers la lumière lointaine. La servante aveugle. Oh. Attends, c'est pas celle-là qui est mort? La fille du mec là, c'est pas celle-là qui est mort? Morte? Genre, est-ce que on aurait une autre bifurcation en fait dans son histoire à elle, genre on lui donne l'œil et elle peut voir, du coup elle se fait pas tuer parce qu'elle voit le monstre arriver. Vous vous rappelez de ça? Ça peut être une supposition.
Ça peut être quelque chose. Après, j'ai peut-être complètement faux. Servante, chère servante, où êtes-vous? De grâce, prenez mes fruits. Après, bon, la servante ici, j'imagine, donc c'est pas elle. Ça m'étonnerait. Parce que l'autre, elle est dans un château méga loin. C'était où? C'était dans le sud. C'était là, le vent hurlant. Donc bon. Ça doit être quelqu'un d'autre. Et du coup, ça y est? Bienvenue dans Elden Ring. Et voilà. Donc du coup, moi j'étais passé complètement à côté du château. C'est énorme quoi. Je l'ai complètement évité. Bon, je voudrais aller là. Ça tue, hein. C'est vraiment fun. Là, est-ce que je l'ai déjà découvert, ce feu? Enfin, cet endroit. Back to learn another. Wonderful. You're most welcome to any of my anemic little spells. À propos de Selene. You've taken an apprenticeship with Selene. Well, that is something. Selene was well known. The most promising sorceress in the history of the Academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selene was expelled from the Academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers, under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selene would never do such things. You certain? You're willing to give your Glintstone key to me? My oh my. Ouais, ouais. Thank you. On en a plusieurs. Thank you dearly. Now I can go back to the Academy to resume my study of Glintstone sorceries. And the very stars. Par contre, je voudrais... Érudication. Par contre, je voudrais bien acheter toutes les magies qu'il a en fait avant qu'ils disparaissent. Back to learn another. Why, of course. Comme ça, on a tout. Why, of course. Thank you, dearly. With you a blessing, I will depart for the Academy of Rhea Lucaria. Perhaps one day you'll pay me a visit? Who knows? I may be a decorated sorcerer by then. Rhea Lucaria. Thank you, kind soul, for learning my paltry sorceries. I never imagined that a Bluntstone like myself would have the chance to play teacher. Rhea Lucaria. Je sais pas. Genre ça. Rhea Lucaria. Ah non, si c'est ça. Ok. Il
Faut qu'on refasse cet endroit. Hein. Enfin, maintenant, ça va être beaucoup plus simple. De 1. Mais de 2, je pense qu'on l'a pas fait en entier. Je pense qu'il reste des parties. En parlant de clé lame-pierre là, est-ce qu'on a fait ça? Question toute conne, mais on l'a fait ça ou pas? Je me rappelle plus. Genre les deux premiers diablotins. Cimetière abandonné. C'était là? Ouais, non, mais tu vas pas me... Ah non, là c'est pour le... C'est le tutoriel là. Non, nous c'est cimetière abandonné, je crois. Ouais. Ah là, tu fais l'animation, c'est marrant, parce que nous on avait vu qu'à des endroits, il le faisait pas. Ah mais attends, c'est du poison qui est en bas. Oh mon dieu. Il me fait peur ce truc. C'est un chariot comme Dark Souls 1, 2. Tombe des héros, des profanes. Alors peut-être qu'on peut pas l'arrêter. Enfin, j'ai même pas vu en fait si on pouvait le cibler ou pas. Donc peut-être que faudrait déjà voir si on peut le cibler. Ce serait une bonne idée. Peut pas. J'ai peur qu'il tourne. Bon. Oh l'enfoiré.
Putain de merde. En fait, faut pas prendre l'objet. Faut pas prendre l'objet, sinon on n'a pas le temps. Putain. En fait, j'aurais dû faire ligne droite parce qu'il met du temps à venir. Oh mon dieu. Empoisonnement ? Si je reste encore là, il va juste aller en bas, je crois. Il va pas tourner. Oh putain, si. Oh le fils de pute. Le fils de pute. Il te suit, quoi. Aïe, aïe, aïe. Putain, ça va être lourd. Je sais même pas comment aller plus vite. Avoir... Non, l'endurance, c'est pas un problème parce que je suis pas en combat. Ah, parce que j'ai du poison sur moi, je crois. Oh mon dieu. Ta maman. Ah, c'est du poison. J'ai du poison en fait sur moi. Ah, attends, j'ai une idée. Go, 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 go. Là, il est tout en haut. Je crois que je l'ai bien grugé là. Haha, ouais, je l'ai bien grugé là. Ouais, ça c'est pas mal là. Ah, je suis content là. Ouais, là il peut plus rien faire. Parce que j'ai attendu qu'il remonte. Et après on a coupé le chemin avec le saut. Ah là, putain, ça c'est cool. Putain, mais ils ont tous cette attaque. Ils
sceau de communion draconique. Sceau de communion draconique. C'est où ça? C'était quoi exactement? Restaure les PV mais accumule du poison. Qu'est-ce qu'on en fait du sceau? Ah, c'est un bouclier. Alors, renforce les incantations de la communion draco. Soit informe aux yeux de sang de dragon frappé de l'emblème de la communion draconique. Renforce les incantations de la communion dragon. Les pouvoirs acquis au travers de la communion draconique sont trop primitifs pour pouvoir parler d'incantation. Grâce à ce sceau, la puissance des incantations se base sur l'ésotérisme. D'accord, fais voir. Ah bah c'est ça. Ah oui, mais du coup c'est la foi. Ezo 10. Bonus d'incantation 60, ouais, c'est nul. Ouais, c'est vraiment pour... Comment dire, pour les trucs dragons, quoi. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va retourner là. Et on va parler aux gens et un peu voir ce qu'ils nous disent. Oh, les portes ouvertes. Alors, toi déjà. Hello. You've been busy weeding Deathroot, I take it. Uh-huh. I thank you, as your brother in arms. So what can I do for you? Ah oui, je voudrais bien acheter le dernier ton truc là. Ça, c'est 3000. Voilà, toi. Non, toi t'as rien à me dire. Toi, il faudra acheter tes armes. Oh, merde. Lui, c'est fermé. C'est sûrement l'autre porte. Ah, elle est là, elle. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Talisman d'arsenal. Il y a un truc aussi, c'est que on a un peu avancé en fait sur des zones qui sont après ça, Godric et tout ça. Et il y a des NPC et tout ça, il y a de l'histoire. Donc c'est possible qu'on ait foiré des quêtes, parce que par exemple il y a le... Comment ça s'appelle? Le sorcier là dans la première église, il a dit que lui il allait à la cathédrale là, des sorciers machin. C'est possible qu'il nous dise à un moment genre ouais, il faudrait tuer le loup par exemple rouge, celui-là qu'on a déjà tué. Et du coup bah, la quête en fait elle va pas continuer vu qu'on l'a déjà fait.
Il y avait des trucs comme ça en fait dans l'ancien Dark Souls. Donc je me dis que Elden Ring fait un peu la même chose. Sûrement. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. It's about time I headed. I'll see you again. Genre même elle, peut-être qu'elle va nous aider en fait pendant un combat contre un boss, mais on a peut-être déjà combattu ce boss. Oh, augmente la charge d'équipement maximum, c'est ça que j'attendais. Celui qui est forgé, insuffisant, n'est-ce pas d'autre, faut manier par un héros assoiffé de vengeance. Tarkus. Ça augmente de combien? 67, on passe à 77. C'est vrai que c'est pas mal. Je me demande ce qui se passe si on saute. Greetings. Are you here for spirit tuning? On n'a pas. T'as commencé cher. Now, those eyes tell a story of a challenger who's failed her mark. Tu vois mes yeux là? Now lay out your arms. Alors, on n'a pas. Cool. Là, on peut pas en bas. Après, pour l'œil, ouais, c'est un peu con si c'est vraiment ça, que c'était la servante. Au sud. Ah, mais j'avais pas vu que c'était avec des diablotins. Il y en a plein en plus. Arbalète noire de crépus, pardon. Et des carreaux torsadés. Ouais, c'est pas mal ça. Il en faut deux. J'en ai combien des pierres, des clés? J'en ai encore 5. Ça va, ça a l'air d'être le dernier. Prévière de l'assassin. C'est tellement d'objets sans arrêt, ça s'arrête jamais quoi. Alors, à donner à un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. Approche d'assassin et ténèbres. Donc, bah, on a qu'à le donner au cléric là, bête. Cléric bête. Pas bête, idiot, hein. I am pleased to see you. Would you like me to... Non. Then good day. Good day. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est deux doigts? Ah non. C'est moche. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble.
to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the Greater Will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the Tarnished are guided by grace, called to act. Brave Tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. C'est très très chelou ce truc, hein. Extase, ouais. Remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, Tarnished, you are here to take, are you not? Que rapport de souvenirs à propos des runes majeures. Dans le menu pouvoir des souvenirs, vous pouvez extraire le pouvoir de leurs homonymes. Ah, c'est ça qu'on avait récupéré. Souvenir du greffé. Un seul pouvoir peut être extrait à chaque souvenir. Une fois ce pouvoir obtenu, le souvenir est perdu. Ah, donc en fait, ces souvenirs, c'est leurs âmes, en gros. Enfin, ça marche comme dans un système d'âmes dans Dark Souls, où on pouvait la... Genre l'utiliser pour récupérer des âmes, ou alors construire différentes armes ou équipements. Souvenir de Gothric greffé, gravé dans l'écorce de l'arbre monde de Gerudo pour extraire le pouvoir qui sommeille. Vous pouvez également vous en servir pour obtenir une grande quantité de runes. Ah bah voilà, on peut aussi faire ça. Un homme malingre chercha à acquérir de la puissance à travers l'art macabre de la greffe. Un jour, nous reviendrons chez nous, dans notre pays baigné d'airée dorée. On a la hache de Godric. À genoux, je te l'ordonne, car je suis le seigneur de tout ce qui est doré. Alors, vous frappez plusieurs fois le sol à l'aide de la hache de Godric pour générer deux ondes de choc. Enchaînez-les avec une autre attaque pour provoquer une onde de choc supplémentaire. Oui, ça il le faisait, donc ça peut être pas marrant, pardon. C'est surtout de la force. C'est une grande hache. Et après, on a quoi? On a des points contendants. Une fois équipé, le bras de son porteur prend la forme d'un petit dragon doté de plusieurs crocs acérés. Cette arme ne peut être maniée à deux mains. Soyez témoin, vous insufflez un soupçon de vie dans le petit dragon et le lancez dans les airs pour lui permettre de cracher un souffle de feu dans un rayon, dans une large zone frontale. Ok. Ah, great runes are the stuff of demigods, the children of the goddess Queen Marika.
She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Oh, putain. Ah, great. The children of ouais, en fait, d'accord, elle dit exactement la même chose. Bon, ça avance déjà. On sait que les âmes des gros... les souvenirs, pardon. Des gros méchants, on peut en faire des armes. Ouais, c'est bien. Par contre, maintenant, il faudrait l'anneau, la rune, pardon, le rendre son pouvoir. Comment on fait? Restituez-lui son pouvoir à la tour divine de Nécrolimbe, de l'autre côté du grand pont du château de Void l'Orage. La tour divine de Nécrolimbe, de l'autre côté du grand pont. C'est celle-là? Je vois que ça, le grand pont, ça doit être ça. Je pense que c'est ça. On va essayer de faire ça, vite fait. Qu'on voit un peu comment ça fonctionne en fait. Apparemment il faut aller sur la droite. On rentre dans le château et c'est sur la droite. Ah oui, putain, c'est vrai que... J'aime bien, ils ont tout tiré à côté. Aïe, 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 aïe. Relou, hein. Ok, le grand pont c'était là, on n'y est pas allé. C'est quoi ça là-bas? C'est rien. On a bien fait de pas y aller en premier du coup, parce que sinon, ça aurait été genre quoi, ligne droite pendant 7 heures et tout ça pour rien. J'imagine. C'est le jeu aime bien faire ça. Je sens que ça va être compliqué de passer, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Talisman de dragon de foudre. Oh mon dieu. Résistance à la foudre. Alors vas-y. Et il pleut. Valorage. Je me demande pourquoi ce nom. Orage. Alors attends. Voilà.
J'ai rien dit en fait. On peut pas invoquer. Il y en a trois. Oh la pute, le revers. Talon d'Achille. Moins un. Tu crois vraiment que tu vas m'arrêter? Putain, l'autre image. J'arrive. Toi aussi, tu vas y passer. Les tuer en boucle, ça peut être pas mal, c'est 1000 à chaque fois. Alors, on a un truc là, on va le marquer. J'espère que ça va pas m'envoyer ailleurs que à l'autre bout du pont, quoi, parce que là, ça me rend fou. Tu voulais passer un pont, bah tu vas partir 7 ans dans des... Dans des limbes. Attends, on est où là? Ah, juste devant. Ok, cool. Oh, putain. Pour une fois. Tour divine de Nécroblimbe. Attends, on va enlever le... ça parce que sinon ça va faire moche. Ah, il disparaît petit à petit. Ah non, c'est un ascenseur. Oh putain. Bon, ça va, ça monte. Ça sera limité au moins. Ça va pas sous terre avec une autre ville par exemple. Ça c'est bien. C'est qui a construit tout ça? C'est tellement grand. Ça me rappelle Soul River, je vois pourquoi. Ah, c'est des doigts qui sont morts, je crois. Reçoit le pouvoir de la rune majeure. Rune majeure de Godric. Ok.
augmente tous les attributs. Rune majeure du porteur de fragments de Godric, sa bénédiction augmente tous les attributs. Cette rune majeure est la plus connue sous le nom d'anneau d'ancrage. Elle se retrouve au centre du cercle d'Elden. Les premiers demi-dieux furent Godfrey, seigneur d'Elden, et ses enfants, la lignée d'or. D'accord. Et comment ça marche ? Ah oui, il n'y avait pas un objet qui disait... Ça donne... machin, rune... Je sais pas. Ah, ils sont là les souvenirs. Ah, ok. Bon, bah c'est fait. C'est quoi ces trucs là? Ouais, y'a personne qui veut m'indiquer comment ça marche? On va descendre, par contre on va faire le tour du pont, enfin on va repartir au sens inverse, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses en fait sur le pont, donc je me demande s'il n'y a pas des objets aussi. Bon, on a la rune qui est activée, mais je sais pas comment elle fonctionne. Ah ! Rune en bas à droite là. Ouais, y a un truc pour l'équiper, mais je sais pas comment. Ah, mais c'est peut-être un feu en fait. Enfin, une grâce. Genre là, c'est quoi ça, tout par terre? Oh, tu vas me saouler. Tu vas me saouler. Ah. Bon. On a activé la rune. Enfin, on l'a fait renaître. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Genre, comment on l'utilise? Rune majeure. Alors, dans le menu rune majeure, vous pouvez équiper des runes majeures dont les pouvoirs ont été restaurés. Utiliser un arc runique pour amplifier le pouvoir de la rune majeure. Ah oui, c'est l'arc runique qui fait ça. Ok. Ah, attends, tous les attributs. Non, je veux d'abord voir. Là, on a 26 de vigueur. Waouh, super. Faut que j'utilise un arc runique ou pas? Sélection, octroie la bénédiction de la rune majeure équipée. Mais ça reste tout le temps ou pas? Même si aucune rune majeure équipée, cet objet augmente tous les. Même les MP. Les PV maximum de l'utilisation. On raconte que la rune. Aurait malgré aussi une bénédiction. Ah, mais ça reste un moment? Comment ça marche?
Donc maintenant, j'ai la rune équipée et je peux... Et si j'utilise l'objet, je l'active en fait. C'est un peu nul. Moi, je pensais que c'était tout le temps. Et il est où le mec là qui nous parlait au début? Qui nous a dit de trouver la rune? Ah, ça y est, c'est ouvert. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then, just as promised, I bid you welcome. As a true member of the Round Table, I am known as Gideon Ofnir. As a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord, I am accumulating knowledge. To be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. D'accord. You'll be after more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgott, the Grace Given. Veiled Monarch and Lord of Laemdel, and Renala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Whoa. So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. Ouais. General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now, Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Ouais, c'est pour ça que les soldats, ils utilisent du feu à chaque fois. Il brûle la putréfaction. Ça, toi? Bon, mais c'est bien. Je vais tenter un truc. Genre sauter là. Alberich le railleur. Congélation, d'accord, va te faire mettre. Tu fais méga mal avec ta faux. Oh là 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 là. Ouais, j'ai plus de respect. Thank you.
Oh putain, c'était qu'une pure annonce. Langue de raillerie. C'était quoi ce truc? Aucune idée. J'ai encore une fois, j'étais sûr que c'était là, mais je vois pas l'objet. Pierre calorifère. Consomme des PC pour soigner en continu les alliés proches. Sympa ça. Je dois être aveugle. Ah si, c'est là. Attire les envahisseurs qui peuvent alors vous envahir même en l'absence de doigts crochus alliés. Réduit également l'intervalle entre les invasions. D'accord, c'est ça que ça sert à ça. C'est comme la griffe là, dans les anciens, enfin dans les Dark Souls. Où ça... Parce qu'une fois qu'on est envahi, en fait, il y a une sorte de cooldown, je crois, une fois que l'invasion est finie. On peut pas se faire envahir, en fait, tout le temps. Constamment. Genre, il y a quand même un délai. Et ça... du coup, ça enlève le délai. Bon, ben ça va, ça nous fait une bonne chance de fête. Donc je voudrais bien finir ça, moi. Je crois qu'on va s'arrêter ici. J'en ai un peu trop fait là en ce moment du Elden. Donc ouais, sinon ça dit que ça augmente toutes mes stats, mais je comprends pas. Hein. À moins qu'il faille vraiment utiliser l'objet. Ça augmente tous les attributs. Donc je pense que ouais, il faut utiliser la machin runique là. À l'utilisation, octroie la bénédiction d'une rune majeure équipée. Oh. Crème dorée. Genre, fais voir un peu. On va en tester une, hein. C'est pas grave. On est à 26. Wow. 26, on passe à 31. Merde, j'ai enlevé mon arme.
Oh mon dieu, maintenant je vais pas la retrouver. Donc là, elle est active. Et quand est-ce qu'elle est plus active? Est-ce que c'est momentané ou pas? C'est ça que je veux savoir, moi. Ah, mais en tout cas, c'est top. On est à 1099. Ou alors, il faut juste ça pour l'activer. Et après, on change. Quand on change, on devra en activer une autre. Enfin, on devra encore utiliser un arc runique pour en activer une autre. Ce qui expliquerait pourquoi les gens ont beaucoup de... des longues barres, en fait, de HP et tout ça. Des fois, c'est quand je regardais les streams. Ça expliquerait pourquoi. Ah ben on va vite le voir parce que normalement si c'est momentané ça part avec avec le reste. Donc ça part pas, donc ça reste, ok. Putain, ça tue. Ah si on avait eu ça, la vache. Putain. Bon, on va s'arrêter là. Donc on est devenu assez puissant maintenant. On a tous nos attributs qui sont augmentés. Donc c'est honnêtement top. La prochaine fois, on va continuer ici. On va refaire le... faudra voir si on meurt en fait. J'ai peur que si on meurt en fait, on perde le buff. Ce qui serait logique par contre. On va continuer... on va refaire ça en fait. Le voile orage. Non. Ah non, 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 je suis au mauvais endroit moi, je suis con. Ah, il y a ça qui est allumé par contre. Mais on n'a pas de grotte. Ah tiens. Peut-être une grotte à trouver. Parce que les statues comme ça, quand on les allume, après, enfin, elles restent pas sur la carte normalement. C'est bien quand même. Ouais, c'est par là. Ah. Non, on fera ça la prochaine fois. Si on avait eu les stats augmentées dès le début, ouais, ça aurait pu être sympathique. Hein. Catacombe au pied des falaises. On aurait pu avoir de meilleures choses. Enfin, on aurait moins lutté pour beaucoup de choses en fait. On aurait nettement moins lutté pour beaucoup de choses. Enfin maintenant c'est fait, c'est fait. Mais ouais. C'est sympa cette armure. Avec le casque ça va bien. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des plein de stats en fait qui s'affichent. Je comprends, je comprends, je comprends. Bon, on va s'arrêter là. On va continuer la prochaine fois avec ce donjon. Et puis après, moi je voudrais revenir sur donc ici, le Raya Lucaria. Et le refaire en fait. Ça devrait être plus simple. Honnêtement, ça devrait être plus sympathique.
Et après, il y a ici qu'on devrait faire, parce que là, on n'a pas fait. Mais le Luca Lucaria, ouais, ce serait pas mal. Après, on a ici aussi, apparemment. Enfin, on a plein de trucs à faire. Hein. Là, je pense que la première zone, on l'a plus ou moins fini. Quoique, ici, on n'a pas fait. Il y a ici à faire aussi. Je pense que la première zone est assez complète. J'ai envie de dire. Après, il y a une bonne partie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Mais ouais, ça avance. Ça avance doucement. Ouais. On va s'arrêter là. Du coup, on peut. Ouais, mais vu qu'on a les stats augmentées, on peut mettre des trucs plus lourds. On peut mettre ça, mais c'est très très moche en fait. Ces jambières, donc je vais pas les mettre. Je veux pas abuser sur le style quand même. Je veux bien pas avoir des trucs jolis, mais quand même, faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'on peut avoir? 56. Ah, on pourrait utiliser. Attends, on peut utiliser ça quoi. On peut utiliser le bouclier en cuivre. Ça nous permettra d'avoir 56 de garde. C'est un peu plus stylé aussi. Ah, il a pas de... Ok, il a pas de parade en fait. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave ? Ça dépend des monstres, on va dire. Mais on peut lui mettre la parade de toute façon, donc ça va. Non, pas ça, ça on... on peut avoir le rempart inébranlable, c'est vrai que c'est pas mal ça aussi. Voilà. C'est bien d'avoir de la garde. Beaucoup de garde avec les boucliers. Bon, allez, on s'arrête pour une fois. À la prochaine, merci beaucoup. Ciao, ciao.